Bonjour, bonsoir. Jeudi, c'est mercredi 17 mai 2023. Et ça va dépendre à clair ou à gain opportunité et possibilité pour suivre l'émission ça. Et dans l'émission ça, c'est rituel et prière. C'est une émission, ça va faire 2 semaines depuis les sur Pigran Chanel qui dans le pays d'Haïti, Chanel Kozé Vodou. Et nous venons à l'émission rituelle et prière dans l'esprit pour nous porter bonjour, information barou, bonjour, détail barou. Ça, c'est notre force, notre but à la radio, télé, Kozé Vodou. Pas oublier que à chaque fois que vous voyez vidéo, ça y est, parce que nous avons un paquet de vidéos déjà et depuis la semaine passée qui déjà est sous net là, sous channel là. Cette possibilité à se partager, commenter, by opinion pour et like you parce que nous-mêmes nous avons le travail que nous avons fait, son bon travail parce que notre mission à la radio télé Kozé Vodou, nous là pour nous former, informer et ça fait que nous venons à l'émission, ça, émission qui c'est rituel et prière. Et à chaque fois que nous avons fait vidéo ou peut-être nous avons live, nous avons toujours un caméraman qui est toujours là avec nous. C'est peut-être c'est une meilleure, tu es capable de dire que à la radio en tant que dit à la fois producteur et caméraman c'est Ron Nelson. Monsieur toujours fait bon travail et jeudi à qui c'est mercredi 17 mais dans l'heure ça c'est Ron Nelson qui est avec moi dans le studio et pour émission rituel et prière. Pour cela nous allons continuer avec reste émission parce que nous avons un paquet d'émissions qui est déjà là. On peut toujours aller consulter, aller regarder parce que genre des formations ça nous pote pour c'est information positive. Nous voulons parler que des génies positifs, des génies qui capable aider nous remplir nous avec la joie, force et bonheur à chaque fois que nous trouvons nous dans une situation qui est compliquée, qui est difficile l'envie. Pour cela nous gain rapport avec lundi 29 mai 2023. Et génie qui marche avec lui, c'est Abuya, qui c'est H-B-U-I-H-A. Caractéristique, c'est, il fait partie de cette cabale-là. Caractéristique, il baille des énergies, il sortit de planète Mars. Et c'est un ange qui l'a, il a un rapport avec le psaume 106, verset 1 dans la Sainte Bible. Et son ange qui l'a pour lui guérir les maladies, les douleurs. Et à par la suite, tout, nous parlons de 69e. Puisque nous sommes dans le 69e, nous parlons de 69e et génie qui c'est Rochelle Angelin. Les mêmes les caractéristiques, c'est ange de l'union des opposés. Et lui promettre et pour équilibrer la vie et lui permettre tout à chaque fois retrouver dans des situations difficiles. Lui porter bonnes idées, bonnes opinions et lui son génie de réconfortant. Et par la suite, nous allons parler de 70e génie qui c'est Jabamia, qui c'est Jabamia, qui c'est J-A-B-A-M-I-A-H. Et en ça, c'est génie de la beauté. Génie de la beauté, et c'est un génie qui l'a pour régénérer les cellules et qui va permettre en bonne santé. Ça, c'est caractéristique. Pas oublier que à chaque fois que nous et nous dans l'émission rituelle et prière nous toujours dit que et genre d'informations ça nous porter pour c'est de bonnes informations, c'est informations qui là pour permettre à chaque fois ou trouver dans des situations difficiles et par la suite que au capable reconforter esprit à au capable reconforter l'âme. Pas oublier que et tout génie ça 68e, 69e, 70e jusqu'à 71e dans tout cas parlons de lui. C'est yo gien rapport avec ce qu'on appelle rituel de yode. Nous te parlons déjà de ce rituel là, nous te dit rituel là c'est une sorte de rite de code codé et par rapport de ensemble de sorte de réciter. Et nous te parlons de prière, nous te dit prière là c'est juste un moyen pour capable communiquer avec des êtres surnaturels qui au-dessus de nous toutes qui dans l'espace parce que j'en vous ai expliqué ça déjà l'univers est très belle, est compliqué même les astronautes, les astrophysiciens ou les cosmopolites n'ont pas aussi de capacité quand même pour comprendre est-ce que l'univers est un bagage qui finit ou est-ce que l'univers est fini puisque l'univers est aussi vaste et aussi belle et
notre planète qui c'est galaxie qui c'est la Voie lactée, il y a environ 9 planètes là-dedans, il y a plus que des dizaines de millions d'étoiles. C'est que l'univers en soi, et on dit que il y a environ plus que 200 à 100 milliards de planètes, et pour les étoiles, c'est environ 400 à 200, 400 à 300 milliards de planètes. Ça, c'est ça, Yogin. C'est parce que bon, paquet de galaxies à travers l'univers. Pour cela, nous essayons de comprendre que l'univers n'est pas venu de façon hasard. Parce que Terre-là n'est pas placé de façon hasard. Si Terre-là est peut-être à quelques centimètres ou quelques kilomètres par rapport à la position que l'IA, certes, nous avons des grosses conséquences sur la vie monde, sur le pays bois, sur l'ensemble de bagages qui composent Florio. Mais malheureusement, Terre-là est bien placé, ce qui ça fait que la vie est possible sur lui. Et c'est logique. Pour cela, nous essayons de comprendre que l'univers, l'Igon est suprême quelque part, nous sommes capables de considérer comme le grand architecte là, qui concevoit toutes les choses. Et par la suite, il y a les anges qui sont des messagers, qui font connexion entre nous les humains et le grand créateur qui c'est l'architecte. Et pour cela, en ça, qui c'est Aziel, il dit que je suis l'un de ces messagers des anges génies et je profite de leur volonté, de leur connaissance, bien entendu. Il ne s'agit pas de privilège, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas comme si nous sommes privilégiés, mais plutôt c'est mettre à la disposition de tout un sort qui est environ 360 génies et par rapport à 365 jours qui de l'année pour moi partager, porter, recueillir ça pour nous, qui c'est rituel et prière. Et pas oublier que nous avons dit ça selon l'évangile de Saint-Marc, il dit comme ça que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'aurez, croyez que vous l'avez déjà l'obtenu, car cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous déjà jeûné, puisque vous avez accordé. Ça, c'est pour vous de Saint-Marc et Pio que les prières adressées à Dieu, à la Vierge, au sein des différentes religions, sont entendus par les anges car ils sont chargés de l'exécution de la volonté de Dieu. C'est que tout ça n'a pas adressé, nous adressé par les anges qui sont l'intermédiaire entre nous les humains et le grand architecte, le créateur. Et pour cela, une chose qui est importante que nous toujours encourager nous dans le livre ça, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction explique nous que tout ce besoin fait, tout ce voulait faire, tout ce demandé par la demandé avec des idées bonnes, des idées positives, des énergies positives. Croyez-moi que roi pour recevoir qui sacre le bonheur, prospérité, réussite, paradis, parce que la loi d'attraction c'est une loi qui fait partie de l'univers, c'est une loi qui fait partie du cosmos. C'est important. Moi toujours dis nous à chaque fois que nous gagnons pour nous adresser à génie que nous avons parlé depuis ce maintenant, génie ça a un rapport avec rituel Lyon. Il y a un rapport avec rituel Lyon. Nous t'expliquons déjà qui est rituel Lyon là et qui gens que sont capables de faire rituel Lyon là, réciter, sont capables de réciter. Pas oublier tout, pendant que vous récitez rituel Lyon là, il y a un rapport avec ce qu'on appelle machine à prier. Machine à prier, qui ça me dévalue de lui. Machine à prier, c'est le cercle kabbalistique qui a un grand cercle avec un petit cercle qui s'y construit à l'intérieur de lui-même, qui a environ 3 triangles, une flèche qui s'oriente vers l'est. Puisque ça fait flèche à s'orienter vers l'est, puisque le rituel de là, il a un rapport avec que le réconfort, on est capable de recevoir le réconfort moral, physique, par rapport au fluide, l'embarque de fluide, fluide là qui a orienté vers nous, puisque flèche là, les sourdités vers l'est, ou même qui fait partie de ces kabbalistiques là, et qui fait partie de ces kabbalistiques là, c'est capable de réciter, prier là. Pour cela, nous entrons sans plus tarder dans 68e génie qui a rapport avec lundi, et nous parlons de 68e génie qui a rapport avec lundi, cap 29 mai 2023. Et n'a pas essayé de réciter non génie ça c'est Abuya, c'est HABUIAH. Lorsqu'on fait rituel là toujours dans l'émission précédente on va prier rituel là et dans moment de prière qui prier lié dans prière il dit que l'ange il dit étant son pur étude du fonctionnement
de l'œuvre divine. Et action et comportement positif sont gages de bonne santé, à la manière des abeilles qui produisent le miel. Il faut contempler le côté poétique de la nature, certes, mais aussi en découvrir ses lois et ses règles de fonctionnement pour appréhender correctement son message, sans oublier que ce sera l'action, le travail qui devra nourrir votre savant et votre pour-être intérieur et extérieur, car sans le pain de l'activité, il mourrait en vous, en moi, en nous, car la compénétration existe en toi et moi désormais si tu le veux. Ange Abuya, Dieu de ta force, Ange Abuya, Dieu de la force tangible, donne-moi des rêves clairs et compréhensibles qui me permettent d'orienter mes activités. Donne-moi des conseils pratiques pendant mon sommeil. La vérité nous rend libres de toute maladie. Amour, pardon, charité, certes, oui, mais je te dis, frère, homme, veille, avance sans crainte. Crainte quand je suis là au fond de toi. Avance sans arrêt, comme la chenille qui rampe dans les herbes amères et rudes, pour devenir étincelant papillon doré et goûté, le doux et sucré nectar parfumé des fleurs aux douleurs célestes. Frères aînés, élève sublime, frères aînés, élevé sublime et puissant zèle, et accorde-moi la santé afin que je travaille avec amour et courage pour l'œuvre de la création. Ça, c'est le prière que tu dois adresser avec l'ange Abuya, qui fait partie de 68e ange du grand secteur Kabbal, qui l'a pour lui, pour la caractéristique qu'il l'a, et pour lui guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de maladies. Ange là, il est là pour les protéger. Et c'est une bonne de jeudi nous. Essayez d'aller sur Google et écrire 68e ange et Abuya. C'est essayer toutes caractéristiques, tout ça capable porter. Par la suite, l'offre une faire aussi des prières là. Moi je dis que wap des vertus, wap pour en cloche, wap souffler et souffle chapitre une baleine colimée en dans rituel là. En dans sec machine à prière, s'il te plaît, toujours aller dans mes missions précédentes, on va pouvoir sacrifier le là. On est obligé de faire rituel là d'abord, réciter prière, me réciter là, par la suite, on retenir et on devait être sous. Ça veut dire, on devait retirer rad qui était soit qui c'est blouse blanche là, avec mouchoir bléa qui est autour du cou, et puis laisser le rituel là fini. Toujours comprendre que, et essayer des caractéristiques en ça qui s'est abu à, cap rapport avec lundi, cap 29 mai, qui c'est 68e génie, ange qui fait partie du grand sec Kabbal, qui sera capable de porter pour vous. Premièrement, tout à l'heure, je me dis que je n'ai pas que le porter pour vous, il est capable de guérir mentalement des ensembles de maladies qui sont capables d'atteindre, surtout nous-mêmes l'homme, les animaux que nous sommes capables de guérir, ou peut-être les plantes que nous sommes capables de guérir. C'est que, en ça, il est sorti de la planète Mars, il porte beaucoup d'énergie. Et pour ce